Donc là, on est sur quel c'est quel hameau? Là, c'est Chabannes. Chabannes, donc sur de Saint-Jean-Chambre. Donc là, on voit les câbles qui sont qui remontent là, qui sont sur un ancien poteau qui est tombé, qui est là-bas. Voilà. Ici, on a la tête d'un ancien poteau. Un petit plan général. Voilà. Et voilà les raccordements. Voilà, c'est ça, c'est les raccordements que tu as actuellement. Voilà, c'est en service. Il y a des choses, les porteurs, enfin voilà, c'est là. Il y a des poteaux. Et voilà. Bon appétit, hein. Ouais. C'est très intéressant. Ça, c'est... Voilà. Donc évidemment, dès qu'il y a de la neige, dès qu'il pleut, et ben. C'est ça, ça oxyde de toute façon, ça oxyde, les, voilà. les connexions sont s'abîment. Et même avec un débit qui serait bon, ça finit par pas marcher forcément. Oui, ça finit par atténuer les débits, c'est sûr. Hein. Il suffit qu'il y ait du vent ou un truc comme ça, et puis après ça. Puis là, les animaux ils se prennent dedans. Ah, et puis donc il y a les engins qui viennent faire les fossés, il y a. Il se passe des tas de choses, quoi. Voilà. Donc tout est par terre. Et ça, c'est depuis 2018. Hein. Voilà. Donc il ne s'agit pas de deux poteaux là. Ah ouais. Voilà. Et alors, donc on va aller voir la boîte, la réparation pour alimenter la montre qui est là. Alors, un autre poteau. Oh, venez voir là. Ça c'est intéressant, on peut le montrer ça. Voilà, c'est sûr que... Voilà. Là il y a un poteau, bah, carrément ils l'ont mis un coup de tronçonneuse. Voilà, et puis là le câble blanc qui passe en face et qui sert à alimenter les maisons qui sont là. Et là, voilà, alors comment je vais le prendre celui-là. Hop. Il part. Voilà, et là il est... Il alimente cette maison. Voilà. Donc là, on est à la Chabannes.